Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Institut français de Madrid. Et pour cette soirée exceptionnelle, je vais tout de suite céder la parole à l'ambassadeur de France en Espagne, Jean-Michel Casa. Merci beaucoup à toutes et à tous. Maître, cher Mario Vargas Llosa, Madame Rigopoulos, señoras y señores, Mario Vargas Llosa, tenemos el gran privilegio de recibirle esta tarde en el Teatro del Instituto Francés de Madrid, casi exactamente un año después de su elección como miembro de la Academia Francesa en primera votación para la elección número 18, vacante por el fallecimiento de Michel Serres. Qué brillante sucesión, y a pocas semanas de su recepción en esta gran institución. Je vais maintenant continuer en français, puisque c'est le lien de la langue française qui nous unit et que nous célébrons particulièrement cette entrée très prochaine de Mario Vargas Llosa sous la coupole. Votre présence nous honore. Cher Mario Vargas Llosa, et votre immense carrière d'écrivain m'oblige presque, dans ses propos liminaires, à n'utiliser que des superlatifs. Vous avez été le premier lauréat du prix Nobel de littérature à devenir immortel, Académie française, depuis François Mauriac. Vous êtes également le premier écrivain étranger à être publié de son vivant dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Vous avez reçu les plus grands prix et honneurs des lettres hispaniques et internationales, le prix Nobel, bien sûr, le prix Prince des Asturies, le prix Cervantes, le prix André Malraux, pour n'en citer que quelques-uns, sans oublier votre appartenance à l'Académie royale espagnole ou la quarantaine de doctorats honoris causa d'universités qui vous ont été décernés à travers le monde. Votre parcours et votre incroyable carrière d'homme de lettres vous ont mené d'Arequipa à Lima, de Paris à Madrid. Vous êtes devenu, avec votre originalité propre, un des romanciers, les plus grands romanciers du boom latino-américain, qui a permis de donner à ce continent une reconnaissance méritée de sa puissance créative. Romans, essais de critique littéraire, chroniques journalistiques, dramaturgiques, vous êtes un écrivain pluriel, comme le définit précisément l'Académie française. De vos propres mots, vous devez beaucoup à bon nombre d'écrivains, de Cervantes à Camus, qui vous ont fait découvrir les règles et l'art du métier d'écrivain, mais aussi découvrir l'âme humaine, sa grandeur et ses abîmes. Deux écrivains semblent pourtant constituer des modèles littéraires fondamentaux. Faulkner, pour son approche multiperspective et ses narrations polyphoniques, et puis bien sûr Flaubert, qui nous réunit aussi ce soir, et sa conception du réalisme et de la structuration de la narration, nœud de votre relation avec l'éditeur français, c'est ce dont vous parlerez spécifiquement ce soir. De vos années françaises, qui ont marqué aussi l'appartenance résolument latino-américaine de votre œuvre, j'aimerais rappeler cette citation de votre discours, éloge de la lecture et de la fiction, que vous aviez donné lors de la réception du prix Nobel. Citation, ce dont je suis peut-être le plus reconnaissant à la France, c'est de m'avoir fait découvrir l'Amérique latine. C'est là que j'ai appris que le Pérou faisait partie d'une vaste communauté unie par l'histoire, la géographie, la problématique sociale et politique, par une certaine façon d'être et la langue savoureuse qu'elle parlait et dans laquelle elle écrivait et qu'elle produisait en ces mêmes années une littérature innovante et exaltante. Des idées, des formes artistiques et des fantaisies littéraires qui dépassaient le pittoresque pour parler un langage universel. On ne peut mieux dire, lorsque la rencontre de ce soir était pensée, vous nous avez fait savoir que vous souhaitiez parler de vos années parisiennes, du jeune journaliste que vous étiez alors, qui découvrait à la fois la France et a profondé sa connaissance des lettres françaises. Je dois dire que c'est avec un grand enthousiasme que Marie-Madeleine Rigopoulos a relevé le défi et de nous faire partager ce soir, entre autres, votre univers parisien et les rapports que vous avez noués avec les littératures françaises. Merci donc, Madame, de nous faire le plaisir d'être présente ce soir pour ce dialogue. Journaliste et chroniqueuse littéraire sur Europe 1 et France Inter, vous avez été la commissaire générale du Festival du Livre sur la Place de la Carrière, Place de la Carrière à Nancy, et depuis septembre 2021, la directrice artistique du Festival du Livre de Paris. Avant de vous laisser converser, sans prendre plus de temps, je tenais à vous rappeler qu'Albert Soussan a été et est encore votre traducteur officiel vers le français, cher Mario Vargas Llosa, et que votre belle complicité a permis au public français de connaître et d'apprécier hautement la force de votre œuvre. Je veux également saluer
votre éditeur, Alfa Guara, et remercier nos mécènes Carrefour, Enagas et Orange, qui nous ont soutenus tout au long de notre saison culturelle de cette année, Escenas Francesas, et dont la rencontre de ce soir marque la conclusion. Merci encore, chère Margaciosa et chère Madame Egopoulos. Bonne soirée à toutes et à tous. Gracias. Un grand merci à vous, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette invitation qui m'honore. C'est un honneur de converser avec Mario Vargas Llosa. Un grand merci également à l'Institut français d'Espagne, en la personne de son conseiller de coopération et d'action culturelle, Éric Talon. Vraiment, merci de cette chance qui m'est donnée d'échanger ce soir avec vous, Mario Vargas Llosa, et de parler de ce qui vous unit à la France et à la littérature, ce territoire universel, qui d'ailleurs me fait penser que personne mieux que vous n'a mérité le titre de citoyen du monde, et pourtant j'aimerais que ce soir nous décrétions que vous êtes un écrivain français par alliance. Nous allons pour ce faire peut-être remonter un peu le temps avant d'arriver à Paris, lorsque vous venez vous installer tout jeune à 22 ans à Paris, avant d'arriver à ce moment-là, remonter le fil du temps pour découvrir le moment où vous prenez conscience de la puissance de la littérature, de la puissance de la lecture. C'est très très jeune que vous avez ce premier coup de foudre, ce premier bouleversement intérieur, la découverte du pouvoir de la littérature. Vous avez appris à lire, vous aviez 5 ans je crois, mais quel est le moment, quand vous êtes tout jeune, où vous comprenez que la littérature est quelque chose qui va bouleverser votre vie? C'est-à-dire... J'étais péruvien, n'est-ce pas? Alors, le Pérou, à l'époque, était un pays, enfin, un peu petit. Et, il n'y avait pas des maisons d'édition, par exemple. Il y avait des librairies, mais c'était très peu. Et d'autre part, on s'est demandé... Pourquoi devenir un écrivain dans un pays comme le Pérou? Alors, c'était très difficile parce que j'avais beaucoup d'illusions avec la vocation littéraire, mais le pays n'encourageait pas ces idées. Alors, j'étais très hésitant, mais ce que je savais, c'est que c'était différent à Paris, qu'il fallait arriver à Paris. Alors, j'ai eu une bourse pour faire un doctorat à Madrid, mais à la fin de l'année, je suis allé immédiatement à Paris. Alors, les jours même que je suis arrivé, j'ai acheté au Quartier Latin, dans une librairie qui restait ouverte jusqu'à minuit, il s'appelait La Joie de lire, hein, j'ai acheté un exemplaire de Madame Bovary. Et j'étais complètement bouleversé. J'ai découvert à travers Flaubert, la grande littérature, la révolution littéraire. Et j'ai passé une partie de la nuit en lisant ces livres exceptionnels qui, pour moi, a eu un effet extraordinaire. Il m'a convaincu que la littérature, elle était le métier idéal pour un jeune comme j'étais à l'époque, et que à travers la littérature on pouvait changer la vie. Pour moi, la découverte de Flaubert a été vraiment extraordinaire parce que il m'a convaincu d'abord que la littérature était un métier responsable,
C'est que j'ai découvert après qu'il n'avait pas eu beaucoup de facilité avec sa famille, hein, parce que son père, qui était le chef de l'hôpital, était un médecin, il avait beaucoup de réactions contre l'idée qu'un fils de lui pouvait se dédiquer complètement à la littérature. Il n'aimait pas cette idée-là. Alors, justement, Mario Vargas Llosa, sur ce point-là, j'aimerais qu'on refasse un bond en arrière, parce que voilà un des très nombreux points communs que vous avez développés et que vous avez avec Flaubert, c'est cette idée que la littérature est aussi un acte de rébellion, de transgression. Quand vous êtes tout jeune, vous découvrez la littérature, vous commencez à lire Jules Verne, je crois, Alexandre Dumas. Ça ne plaît pas à votre père, à vous. Votre goût pour la poésie, pour la littérature, est très vite considéré comme une activité qui n'est pas saine. Et vous vous retrouvez à l'académie militaire, adolescent, et étrangement, c'est justement là que vous développez, semble-t-il, l'écriture, le goût des histoires et le goût de la transgression. Et là, je vois comme un effet miroir entre ce que vous découvrez chez Flaubert et ce que vous avez découvert tout jeune à travers la littérature, dans un espace où vous aviez besoin, vous, de vous affirmer et de vous rebeller. C'est-à-dire que Flaubert avait déjà écrit pas mal de choses quand il est arrivé à cet âge où il devait choisir son avenir. Et on comprend très très bien l'attitude de son père. Son père était très réticent avec la vocation littéraire de son fils. Il voulait que son fils était à l'université, qu'il devienne un professeur ou un ingénieur ou un médecin comme lui, n'est-ce pas? Et il avait beaucoup d'autorité sur Flaubert. Mais Flaubert a eu soudain cette maladie qui l'inutilisait pratiquement pour avoir une profession libérale. Alors moi, je crois que c'est une invention, hein, qu'il a inventé cette maladie pour mettre son père dans une situation très difficile, dans laquelle son père n'avait pas d'autre attitude que l'aider. Hein? Alors, il a eu cette maladie. Il y a vous savez bien, une discussion entre les médecins et les critiques littéraires sur la maladie de Flaubert. Moi, mon impression, c'est qu'il a inventé cette maladie. Cette maladie est une maladie mystérieuse. Il était dans la campagne, seul, et soudain, il s'est évanoui. Et il a vu comme des montagnes de feu. Et soudain, il s'est réveillé. Et les montagnes de feu étaient encore là. Et alors, il a eu beaucoup de peur, beaucoup de peur. Et il est allé à son père. Son père, et il lui a raconté cette expérience. Alors son père, qui était un médecin, a pensé immédiatement qu'il était un peu fou. Hein? Et il a décidé qu'une profession libérale n'était pas pour son fils. Alors il a mis son fils à la maison des campagnes qu'il savait,
à croiser. Et pendant 5 ans, Flaubert a travaillé 10 heures, 12 heures par jour à un écrivain, Madame. C'est libre qui a changé la littérature, pas seulement dans la France, mais je crois dans l'Europe et dans le monde entier. Et ça, c'est pas seulement pour l'écriture, qui était très polie, très exacte, d'une perfection extraordinaire qu'on ne trouvait pas dans la littérature de l'époque, mais aussi parce qu'il a inventé, et je souligne cette invention, il a inventé un narrateur. Je crois que c'est la grande invention de Flaubert. Il a inventé un narrateur. Le narrateur était toujours là, bien sûr, hein, mais c'était toujours un narrateur qui représentait l'écrivain d'une manière tout à fait exacte. Il parlait dans la troisième personne et il était visible. Alors Flaubert a découvert que les narrateurs pouvaient être invisibles, disparaître et être là comme une vision, simplement, avec des yeux qui regardaient une scène, et qu'il n'exerçait pas aucune coaction sur le personnage. Alors, il regardait le personnage agissant d'une manière tout à fait libre et que les narrateurs, dans ces conditions, c'est la première fois qu'il apparaît dans la littérature. Je crois que la grande révolution de la littérature vient de là. L'invention du narrateur qui était invisible. Il y avait une phrase de Flaubert, d'ailleurs, qui était très, très jolie. Hein. Il disait, le narrateur doit être là, mais devenir une vision qui n'opine pas par ce qu'ils font les personnages. Il est là, il régisse ce que l'activité des caractères, des personnages, mais il n'opine pas, il ne mentionne pas si ces actions sont favorables ou négatives. Et c'est là, je crois que c'est la grande révolution du roman, parce que en inventant ces narrateurs-là, Flaubert a trouvé la manière dans laquelle les écrivains modernes s'expriment et font se mouvoir les personnages, mais il n'a pas d'action sur les personnages. Pas d'action directe. On a l'impression que les personnages sont libres et que le narrateur est aussi une vision purement objective et sans exercer aucune discipline sur le caractère. Vous avez dit un jour, une poignée de personnages littéraires ont marqué ma vie de façon plus durable qu'une bonne partie des êtres de chair et en os que j'ai connus, aucun avec lequel j'ai eu une relation plus clairement passionnelle que Emma Bovary.
À chaque fois que vous mentionnez Emma, on a l'impression que vous l'avez rencontrée, que c'est le plus grand amour de votre vie et qu'elle est présente de chair et d'os, d'encre et de papier à la fois dans votre vie. Pourquoi cette passion pour Emma Bovary, avec laquelle on n'a pas toujours été tendre sur sa manière d'être, sur son état d'esprit? Vous en faites, vous, une rebelle. Vous en faites une femme, vous la comparez souvent d'ailleurs à Don Quichotte. Pourquoi cette passion pour Emma Bovary? C'est-à-dire que Emma Bovary est une rebelle, mais elle n'est pas une rebelle contre la société, du tout. Non, elle est très contente con la société telle qu'elle est. Mais elle lit des livres et des romans. Et alors, il interprète la vie selon les livres. Il croit que la vie, c'est que c'est manifesté dans les livres qu'elle lit. Alors, la rébellion et la réaction naturelle d'Emma Bovary vis-à-vis des caractères qui l'entourent. Hein. Son mari, par exemple, son mari est d'une médiocrité atroce. Hein. Lui, il est très content avec la vie dans ce qu'elle a des choses parfaitement visibles et tout ce qui l'entoure est d'une médiocrité atroce. Hein. Les livres qu'elle a lus ne révèlent pas une réalité pareille à celle que son mari et les gens qui l'entourent reflètent. Hein. Alors, il devient une rebelle active. C'était une rebelle passive quand elle lisait ses romans, mais il devient une rebelle active. Il veut que la réalité soit différente. Mais quelle est la différence qu'elle cherche? C'est qu'elle est à la mesure de ce qu'une fille de l'époque, une provincienne, n'est-ce pas, pouvait rêver. Avoir des maîtres, avoir des relations amoureuses avec dehors son mariage et tout ça, elle osse d'une manière graduelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas immédiat, c'est par endroit, il a une liaison avec une personne, mais ils sont d'une médiocrité atroce aussi, les amants, n'est-ce pas? Alors, il se rebelle contre eux, et finalement, déçu de tous les garçons qui l'entourent, n'est-ce pas? Il se suicide. Et le suicide de Madame Bovary est raconté par Flaubert d'une manière absolument exceptionnelle. Je crois que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, la description de la mort de Madame Bovary, et je crois que Flaubert a réussi dans ces pages-là d'une manière absolument extraordinaire, que son roman exprime ce qu'il veut
dire à travers ce roman, dans ces pages-là. Il y a d'ailleurs cet élément assez extraordinaire où, dans la description de la mort de Madame Bovary, elle a un goût d'encre dans la bouche. Il est dit que Madame Bovary, le goût de l'arsenic, a un goût d'encre, tandis que Flaubert, lui, dans ses correspondances, dit à Louise Collet qu'il peut sentir le goût de l'arsenic dans la bouche, comme s'il y avait une sorte d'inversion des sensations qui est absolument bouleversante. C'est la description de l'effet de l'arsenic dans la bouche de Madame Bovary est magistrale, absolument magistrale. Je ne crois pas qu'il y ait une page dans la littérature de l'époque qui soit d'une qualité insinuante comme celle qu'a écrit Flaubert pour raconter cet événement dans la vie de Madame Bovary. Et Madame Bovary attend à ce moment-là, je crois, cette perfection. Hein, c'est une perfection qui n'est pas mesurée d'une manière, disons, bureaucratique, mais il faut sortir de ce monde-là pour avoir une idée de sa médiocrité, de sa pauvreté mentale, et par comparaison, pour apprendre la richesse de Madame Bovary en se tuant quand elle découvre que les gens ne sont pas à l'auteur de ce qu'il attendait. Oui. En ce sens, Madame Bovary est un peu, dans sa quête de perfection, elle est un peu comme un écrivain. C'est aussi la quête de perfection de Flaubert. La vôtre, quand vous écrivez, cette quête de perfection à travers le roman, refaire, réécrire la vie telle qu'on aimerait qu'elle soit, telle qu'elle devrait peut-être être. C'est presque des aspirations d'écrivain qu'elle a, Madame Bovary. Cette quête effrénée de perfection impossible, c'est aussi ça qui peut rendre fou un écrivain. Tout à fait. Je crois que c'est exact ce que vous venez de dire. Mais il manque quelque chose. Hein. Madame Bovary attend à ce moment-là, je crois, une munificence qui n'est pas partagée par aucun des personnages qui vivent dans ces petites villes, n'est-ce pas? Et là, avec ses suicides, une grandeur, hein, et qui montre l'insuffisance de cette vie pour accepter quelqu'un comme Madame Bovary. Madame Bovary rêve des exploits, hein, des grands exploits, mais la vie dans cette petite province, cette petite ville, n'est pas compatible, n'est-ce pas, avec ces actions héroïques avec lesquelles Madame Bovary rêve et voudrait réaliser dans la vie. Et tous ces amants sont d'une médiocrité atroce. Et à la fin, quand elle fait ce parcours dramatique, hein, qui est très douloureux, en essayant d'être protégé par ses amants et dans lesquels nous voyons tous ses amants réagir d'une manière négative en fuyant ou en le disant, n'est-ce pas, qu'elle ne pouvait pas la secourir dans ce cas. Alors, il y a cette déception de Madame Bovary
qui est la déception de l'auteur aussi, hein, avec tout ce monde-là d'une médiocrité atroce. Et en même temps, Madame Bovary représente quelque chose de supérieur et d'une richesse, je crois, extraordinaire, parce qu'elle se différencie de tous ces gens-là par le courage qu'elle montre en avalant cet arsenic qui va la tuer, n'est-ce pas ? En fait, elle va devenir celle qu'elle rêve d'être en mourant. C'est-à-dire que c'est Exactement. Au moment de sa mort qu'elle devient la Emma Bovary qu'elle rêve d'être. Oui, oui. C'est-à-dire que il y a eu cet exceptionnel succès de Madame Bovary. Vous le savez bien. Jusqu'au pire, on lut Madame Bovary. Pourquoi ? Par la beauté de l'écriture, sûrement, quelques-uns. Mais surtout parce que je crois qu'il y a une identification avec cette attitude de cette dame qui ose se révolter contre sa condition à travers les suicides, n'est-ce pas ? Combien de jeunes filles il y avait en France à l'époque qui étaient dans la condition de Madame Bovary, qui rêvaient des actions héroïques, qui rêvaient d'avoir une vie d'aventure, n'est-ce pas ? Et la réalité si pauvre, si médiocre de ce qu'il expérimenter dans chaque jour. Alors, je crois qu'il y a eu, n'est-ce pas, dans le roman, la création d'un personnage qui est tout à fait supérieur à ce qu'elle fait, à ce qu'elle lit. Est un personnage qui est une rebelle. Pardon. Oh là là. C'est Emma Bovary qui a les oreilles qui sifflent. Je vous en prie. Emma Bovary est supérieure à l'état qu'on lui a imposé, à sa condition, et vous disiez qu'il y a beaucoup de jeunes filles à son époque qui sont dans la même condition qu'elle et qui rêvent d'aventure. C'est-à-dire que Flaubert a été très... Il n'était pas très content avec l'invention de Madame Bovary. Alors il a expliqué que Madame Bovary était la description d'une histoire dans laquelle une fille s'est mariée avec quelqu'un qui était très différent d'elle. C'est drôle parce que Dès que vous lisez Madame Bovary, vous trouvez immédiatement que ce n'est pas exactement ça, le roman, non ? Que le roman est d'une richesse, d'une subtilité extraordinaire, et que Madame Bovary est très supérieure du point de vue moral et du point de vue des rêves qu'elle a à son milieu social, non ? Vous avez dit aussi, je sais que sur le terrain où elle prodigue sa beauté, personne, hormis l'officier de santé, Rodolphe et Léon, ne jouira d'elle. Mais que sur le terrain où je me place, elle ne pourra donner à personne plus qu'elle ne m'a donné. Mario Vargas Llosa, qu'est-ce qu'Emma Bovary vous a donné à vous en tant qu'écrivain ? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré et en quoi elle a pu influencer votre écriture et votre manière d'aborder la littérature ? Vous savez, j'étais très confus sur ma vocation. En étant péruvien, je savais que mes livres
ne pouvait attendre, n'est-ce pas, le public que les livres d'un écrivain français ou anglais ou américain pouvaient attendre. Alors, j'ai cité beaucoup. Hein. Mais, en lisant Madame Bovary, j'étais absolument convaincu que la littérature était les meilleures vocations du monde et qu'on pouvait changer la société en écrivant des romans. C'était un peu naïf, sûrement, mais à l'époque, j'étais absolument convaincu, après avoir lu Madame Bovary, que la littérature était une vocation absolument à l'auteur de ce qu'on attendait d'elle, et qu'à travers la littérature, on pouvait changer la société. Non, il paraît un peu naïf à ce moment-là, mais quand j'ai vécu ces inspirations, j'étais convaincu à ce moment-là qu'écrire était la plus belle profession du monde. Alors, je suis allé à Croissy, j'ai vu le petit endroit où Flaubert racontait en haute voix, n'est-ce pas, le gueuloir, ce qu'il écrivait, parce qu'il était convaincu que la perfection d'une idée venait par les oreilles, hein, qu'il fallait que ça soit très musical pour représenter l'idée. Alors, il lisait à notre voix chaque phrase de ce qu'il écrivait, c'est-à-dire qu'il a, pendant 5 ans, il a travaillé Madame Bovary. C'est extraordinaire, non? Alors, j'ai lu tout Flaubert. Mais ce qui est curieux, c'est que dans les lettres à sa maîtresse, qui était dans un pont intermédiaire entre Paris et Croissy, et il se voyait seulement un jour par mois, hein, un jour par mois. Alors, quelle maîtresse, hein, quelle patience, quelle extraordinaire patience avec cette dame-là. Et elle a gardé toutes les lettres de Flaubert qui parlait, parce qu'il travaillait 10 heures par jour et après, il écrivait à sa maîtresse. Mais il voulait parler de son roman. Hein. Il ne voulait pas parler de lui. Alors, il parlait de son roman. Et à travers ses lettres, on découvre les problèmes qu'il a eus en écrivant ces livres-là. Mais, par exemple, l'invention du narrateur en deuxième personne, que je crois est la grande invention de Flaubert et qui a changé la littérature de son époque. Par contre, il est un peu confus à ce respect-là. Il n'a pas une vision très claire de la révolution qu'il a produite dans la littérature. Mais Flaubert doute tout le temps. Il a des romans dans son tiroir. C'est un écrivain qui doute de son travail, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Il a travaillé 10 heures par jour. Hein. Il écrivait. Et si vous voyez les manuscrits de Madame Bovary, les corrections sont incroyables parce que chaque phrase est changée 10 fois. C'est une manière de travailler vraiment incroyable, sans précédent et sans continuation, hein, non plus, parce que je ne crois pas qu'il y ait un écrivain qui travaille la phrase de la manière que Flaubert a travaillé, surtout dans Madame Bovary.
il l'a fait dans l'éducation sentimentale aussi, mais pas d'une manière si dramatique, disons dramatique, comme il l'a fait avec Madame Bovary. Alors, comme vous savez, les livres étaient interdits par la censure. Oui, la censure. Hein. Et il y a un grand écrivain qui avait été ministre, n'est-ce pas, qui a vendu ce livre-là avec des arguments qui ne sont très capieux, hein, sont très négatifs, en disant que les livres montraient les péchés pour les montrer d'une manière si visible qu'ils ne soient pas imités, n'est-ce pas, par les lecteurs de Madame Bovary. Alors, c'était une considération très abusive, n'est-ce pas, et une lecture que je ne comprends pas pourquoi Flaubert, dans la première page de la première édition de Madame Bovary, a remercié cet ancien ministre pour l'avoir défendu, avec des arguments si ignobles, n'est-ce pas, si fallacieux. Hein. Alors, c'est dans la commotion que Flaubert m'a produit avec ce livre-là et avec tous les autres, les romans que j'ai lus immédiatement après, et avec cette ferveur, j'ai commencé mon premier roman. La ville et les chiens. La ville et les chiens, exactement, oui. Alors, j'avais eu une expérience que mon père, qui était un ennemi mortel de la littérature, je crois qu'il avait pensé que les militaires et la littérature ne s'entendaient pas très bien. Hein. Alors, il a pensé qu'en me mettant dans les collèges militaires, la littérature deviendrait quelque chose de rudimentaire et qui ne serait pas si important dans ma vie. Il s'est trompé complètement parce que au collège militaire, j'ai devenu une espèce de cantinflas. Hein, de scribe. Oui, j'écris des lettres pour les amoureux de mes compagnons qui ne savaient pas comment répondre à ces lettres-là. Alors j'écrivais et finalement un ami à moi qui était de la même compagnie m'a dit, mais écoute, j'ai été ton premier agent littéraire parce que moi, tu étais très réticent à demander de l'argent pour cette lettre-là. Mais moi, je n'avais pas aucun... scrupule. Si, exactement. Alors, j'ai demandé de l'argent pour cette lettre-là. Et j'écris beaucoup de lettres à l'époque qui étaient une manière d'exercer la littérature aussi. Et non seulement des lettres, mais des lettres d'amour, des lettres érotiques. Exactement, oui. Donc oui. Vous êtes, mais au fin fond de la perversion. J'écris beaucoup à l'école militaire. C'est-à-dire que l'école militaire était tout à fait exceptionnelle au Pérou, parce que le Pérou, à cette époque, était très difficile socialement. Il y avait les riches, il y avait la classe moyenne, et il y avait les Indiens, n'est-ce pas? Alors, il n'y avait pas de communication pratiquement dans les trois classes différentes. Mais par contre, les collèges militaires étaient une des institutions qui ramassait un peu ces trois classe sociale, il y avait des riches, des fils des familles qui étaient très aisées, n'est-ce pas, et qui les envoyaient là comme à une correctionnelle, parce qu'ils ne
savait pas quoi faire avec ces enfants-là. Il y avait des étudiants de classe moyenne qui voulaient suivre des carrières militaires après. Ils voulaient devenir des aviateurs, des marins, des officiers de l'armée. Ouais. Et il y avait une bourse pour une centaine de personnes, grâce à laquelle il y avait pas mal de paysans qui venaient à l'école. Alors, l'école militaire était un peu un réflexe du Pérou. Mmh. Hein. Et là, vous aviez un peu le Pérou concentré dans quelques murs et chaque garçon venait avec les préjugés, n'est-ce pas, et les croyances qu'il avait dans sa famille. Et tout ça, vous changez un peu l'idée du pays. Hein. Est-ce que ça a aussi contribué à vous faire observer la société, un peu comme l'a fait Balzac, par exemple, c'est-à-dire les caractères, les différents milieux sociaux? Vous aviez là un laboratoire idéal de toutes les tranches de la société dans laquelle vous viviez, qui sont, un laboratoire parfait pour un écrivain qui veut imaginer des mondes. Tout à fait, des oui. Mondes. Je crois que Balzac, par exemple, c'était un écrivain qu'il fallait imiter. Hein. Il fallait avoir dans les idées, si vous vouliez décrire d'une manière tout à fait vraie la réalité péruvienne. Oui, le modèle était là. Il avait écrit le 19e siècle d'une manière tout à fait pertinente, sans occulter rien, en montrant exactement tous les succès et les déroutes, n'est-ce pas, de cette société. Et, alors, j'ai écrit mes tout premiers romans. Je crois que alimenté par cette direction de la littérature française. J'ai lu surtout le 19e siècle, n'est-ce pas? Les 20e siècle aussi, j'ai vu dans une collection des articles qui viennent d'apparaître, que j'ai lissé aussi les contemporains, mais surtout j'ai lissé les écrivains du 19e siècle, parce que dans une grande partie par Flaubert, parce que Flaubert était pour moi le grand écrivain du 19e siècle et probablement plus important que l'Ulysse, qui avait changé, qui avait révolutionné vraiment la littérature de l'époque. Mais je crois que l'invention du narrateur, c'est narrateur qui est une présence que seulement voix et écrit sur ce qu'elle voit, sans opinion, sans inflexion sur les caractères, a été la grande invention moderne. Et dans laquelle je crois que la littérature moderne est née. De la même manière que vous avez écrit ce magnifique essai sur Flaubert, L'orgie perpétuelle, dans la collection Arcade chez Gallimard, vous avez également écrit un essai intitulé La tentation de l'impossible, Victor Hugo et les Misérables. Et puisque vous parlez du narrateur qui n'intervient pas, là on a l'inverse, c'est-à-dire que dans Les Misérables, vous racontez comment le narrateur est presque le personnage principal, que ce n'est pas Jean Valjean, ce n'est pas Cosette, ce n'est pas Fantine, c'est le narrateur. Je crois que si vous lisez
Si vous relisez Madame Bovary, je crois que vous découvrez lentement, page par page, la présence de cette absence qui est le narrateur invisible. Ce narrateur qui est un produit de la deuxième personne, c'est là. Et je crois que Flaubert n'était pas très convaincu par ce qu'il avait découvert. Parce qu'il ne parle pas tellement du narrateur invisible, non? Il ne parle pas tellement. Il parle beaucoup du paysage, par exemple, dans les lettres à Louise Collet, qui était sa maîtresse. Elle parle beaucoup du paysage et la description des paysages dans Madame Bovary sont remarquables, bien sûr. Mais il ne parle pas tellement de ce qui était la grande invention de lui, qui était le narrateur en deuxième personne, qui soit seulement un regard, oui. Mais chez Victor Hugo, dans Les Misérables de Victor Hugo, vous expliquez dans votre essai que Victor Hugo, d'une certaine manière, fait l'inverse de Flaubert, c'est-à-dire que là, on a un narrateur qui, lui, est omniprésent et presque le personnage principal. Tout à fait. Et Les Misérables font partie des lectures aussi qui vont beaucoup compter pour vous. C'est-à-dire que Les Misérables est la grande œuvre de Victor Hugo. Hein. Mais quelle différence entre Madame Bovary et Les Misérables? Les Misérables est une odyssée, n'est-ce pas? C'est la réaction de quelqu'un qui a été condamné à plusieurs années de prison pour avoir volé un pain. Alors c'est dramatique, n'est-ce pas? C'est tout à fait atroce, hein, qu'un homme qui a faim et qui vole un pain soit condamné à plusieurs années de prison. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là. C'est un livre qu'on ne peut pas le lire d'une manière indifférente. Il vous bouleverse. Oui, il vous mouve beaucoup. Hein. Et vous êtes. Il y a un personnage merveilleux dans ce livre-là qui est le policier. Javert. Javert a une obsession avec. Comment s'appelle les caractères? Avec Jean Valjean. Jean Valjean a une obsession. Il veut les conduire à la prison. Mais il est complètement bouleversé à la fin de l'histoire quand Jean Valjean le sauve. Et pas seulement le sauve, mais il est poli avec lui, et il est tendre avec lui. Alors, Javert est complètement détruit, hein, par cette attitude de Jean Valjean avec lui. Et finalement, il se suicide. Hein, et le suicide de Javert est la grande invention de Victor Hugo. Il faut dire que pour lire Les Misérables, il faut avoir une très différente attention au livre. Il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner et suivre, n'est-ce pas, les mille et une aventures de Jean Valjean au long de cet long roman, n'est-ce pas? Mais on voit très bien la différence entre ce qui est un narrateur
qui se présente comme caractère, que c'était un membre de la famille des inventions, et Madame Bovary, où vous voyez que le narrateur est invisible et qui n'est pas présente du tout dans les histoires qu'il raconte, n'est-ce pas ? Lorsque vous écrivez, Mario Vargas Llosa, vos romans, est-ce que vous avez justement en tête la nécessité de faire disparaître le narrateur ou au contraire de le rendre présent ? Est-ce que c'est quelque chose qui est une préoccupation au moment de l'écriture ? Ou est-ce que vous laissez l'inspiration décider si le narrateur sera présent ou pas dans le livre ? C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment j'ai une idée du roman que je vais écrire. J'ai des idées très confuses au début, mais je crois que l'influence de Flaubert est toujours là, est toujours présente, de la manière d'introduire les caractères, les personnages, est une manière qui est tout à fait inventée de l'invention de Flaubert. Hein. On peut pas écrire aujourd'hui avec Victor Hugo, c'est-à-dire que ça serait très ridicule, n'est-ce pas ? Anachronique. Un personnage tout à fait anachronique, tout à fait anachronique. Mais je crois que cette manière dans laquelle j'exerce ma liberté devient d'une manière ou d'une autre dépendant de Flaubert. Hein. Et je crois que ça, c'est valable pour tous les écrivains qui sont modernes. L'invention du narrateur qui a fait Flaubert est la grande révolution, je crois, de la littérature moderne. Il a montré d'une manière tout à fait extraordinaire comment cet écrivain, qui était seulement un regard, qui montrait les personnages avec une grande liberté, n'est-ce pas ? Il s'était très libre. Hein. Il croyait qu'il était libre quand il agissait dans les histoires. Mais il n'était pas si libre que ça, parce qu'il y avait ce narrateur qui était en train d'éliminer certaines choses et donner une présence meilleure, n'est-ce pas, ou d'autres choses. Moi, je crois que la présence de Flaubert est toujours là dans la littérature moderne. Non? Alors, parce qu'il nous reste 10 minutes et que j'aimerais que, au-delà de la littérature, vous nous parliez un petit peu de votre rapport à la France, à Paris, à la découverte que ça a été pour vous dans votre vie de vous installer vos premières jeunes années dans cette ville. La France avait à l'époque une influence énorme sur l'Amérique latine, énorme. On pensait à la littérature française d'une manière qui était presque religieuse, n'est-ce pas ? La littérature française était lue partout en Amérique latine et même au Pérou, la littérature française arrivait. Et je me souviens très très bien de la petite maison qui était l'Alliance française à l'époque. Maintenant, il y en a trois Alliance française au Pérou, mais à l'époque, c'était une petite maison, toute petite, où j'étais avec des filles, des bonnes familles, n'est-ce pas ? Parce que le français était
une langue qui était apprise par les filles de bonne famille, n'est-ce pas? Alors, moi, je lisais beaucoup de la littérature française. Et je me suis mis, et je me souviens encore de la de le fou rire qui était des filles quand il parlait, quand il entendait moi-même parler en français. Oui, oui. C'était une manière de charmer les filles. Tout à fait. Je crois qu'il n'était pas très je n'ai pas très charmante à l'époque, mais il s'ennuyait un peu dans les classes de Madame Del Solar. Madame Del Solar était une professeure formidable, était une Française mariée avec un Péruvien. Et alors, il m'a aidé beaucoup dans ces moments difficiles qui étaient la relation avec les filles, qui était le seul élève de l'Alliance française. Mais j'ai commencé à lire, comme dans toute l'Amérique latine, hein, du Mexique à l'Argentine, on lisait la littérature française. Hein, il y avait quelques-uns qui lisaient la littérature anglaise ou la littérature américaine, mais ce qui était important pour nous, c'était de lire le français, n'est-ce pas? Alors, il y avait une librairie française à Lima, je me souviens, et quand j'ai publié mon premier roman, La ville et les chiens, la dame qui attendait, qui était une Péruvienne, n'est-ce pas? Il m'a dit, quel dommage, j'imagine que ça va être traduit parce que pour le lire en français, n'est-ce pas? Il ne lisait qu'en français. Alors, dans vos premières années à Paris, vous êtes arrivé, je crois, en 59, vous avez travaillé, vous avez donné des cours d'espagnol, mais vous êtes aussi devenu journaliste. Et je me demandais quel impact a pu avoir votre travail de journaliste sur votre métier d'écrivain, si ça a eu un impact, et votre rapport... Je crois qu'il a eu une certaine influence. J'ai commencé à travailler à l'agence France Presse, par exemple, et j'ai voyagé beaucoup dans la France à l'époque, où mon travail me faisait parcourir des différents endroits et vivre aussi des expériences qui étaient très différentes de celles de moi-même. Alors, je crois que les correcteurs étaient très sérieux à l'Agence française. Et après, je suis allé à travailler à la télévision, à la télévision française, à la radio-télévision française. Et aussi, j'avais des correcteurs très stricts. Alors, je crois que la littérature s'est servie un peu de ces leçons que j'ai recevoir en n'utilisant pas trop de mots, hein, pour exprimer une idée. Je crois que ça, c'est l'influence la plus grande, et aussi l'atmosphère. Hein, l'atmosphère, à l'époque, en France, on commençait à lire les latino-américains. Alors, c'est drôle parce que je me suis senti un écrivain péruvien et latino-américain en France. Et c'est grâce à la littérature française où on lisait beaucoup à l'époque à Borges, à Fuentes, à des écrivains latino-américains. D'ailleurs, c'est à Paris que vous les avez tous rencontrés. Cortázar, oui, oui, oui. Borges, Fuentes. Julio Cortázar était le seul qui habitait Paris avant nous. Mais petit à petit,
Et Carlos Fuentes, par exemple, est allé à Paris, et moi, j'étais à Paris. Et Jorge Edwards, le Chilien, l'écrivain chilien, était aussi à l'époque à Paris. Et il y avait plusieurs écrivains qui étaient à Paris. Et c'était France qui a découvert la littérature latino-américaine pour la première fois. Hein. C'est la France qui a traduit les écrivains latino-américains et qui a montré que dans l'Amérique latine pouvait être assez entreprenante, n'est-ce pas, en écrivant d'une manière tout à fait moderne, en utilisant bien sûr ces inventions des Européens, mais en même temps, dans certains cas, en étant plus loin que ces écrivains-là. Alors, oui, c'était une époque qui était très riche, hein, très riche pour être là, hein, à l'époque où l'Europe a découvert, à travers la France, c'est la France qui a commencé à traduire les écrivains latino-américains. Et finalement, tout ça s'est défendu, s'est expandu un peu en Italie, en Angleterre. Mais la France, je me souviens, c'était surtout chez Gallimard, où il y avait une collection des écrivains latino-américains, n'est-ce pas ? Oui, oui. Parce que, Mario Vargas Llosa, notre entretien arrive à sa fin, malheureusement, alors qu'on pourrait vous écouter des heures. Je voudrais vous poser une dernière question. J'aimerais savoir, vous qui êtes né péruvien, qui êtes citoyen espagnol, qui êtes académicien français, est-ce que, en tant qu'écrivain, vous vous sentez une appartenance particulière, ou est-ce que c'est la littérature, votre territoire ? C'est-à-dire que je crois que je suis péruvien, j'écris sur le Pérou, entre autres choses, mais je crois que l'expérience accumulée est très riche, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays, différents pays, mais je me sens encore en latino-américaine, hein, c'est-à-dire que ce sont des problèmes latino-américains qui apparaissent dans mes livres, à travers des personnages français. Par exemple, Gauguin. Par exemple, j'écris sur Gauguin. Dans Paradis. Et Gauguin avait ses ancêtres, comme vous savez, qui étaient péruviens, n'est-ce pas? Alors, Flora Tristan, par exemple, qui était en française, mais en même temps, une péruvienne. Oui, alors, j'essaye d'être... toutes ces choses-là en même temps, mais je n'oublie pas mon pays. Je crois que mon pays est toujours là, présente dans ce que j'écris. Et je viens d'écrire, par exemple, un roman qui est sur la musique péruvienne, c'est sur les valses péruviennes. Ouais, ouais. J'aimerais profiter pour rappeler le titre de votre dernier roman, Temps sauvage, publié également aux éditions Gallimard. Merci infiniment, Mario Vargas Llosa, d'avoir partagé avec nous votre amour de Flaubert et d'Emma Bovary et de la France. Merci, parce que je sais que vous êtes venu spécialement pour cette dialogue. Et c'est un honneur. Merci infiniment. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée.